Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo de step. On va essayer de reprendre ce qu'on a fait déjà la dernière fois, histoire de faire travailler la mémoire, mais vous inquiétez pas, je vais vous aider. Donc comme la dernière fois, soit vous prenez un step, soit si vous avez une petite marche ou quelque chose pas forcément très haut, vous pouvez faire des marques au sol avec du scotch, en gros 3 pieds de long à peu près, ou éventuellement une petite marche d'escalier si vous avez. On y va ? J'ai mis un petit peu de musique au fond, j'espère que, enfin pour moi en tout cas, vous pouvez mettre, j'ai augmenté un peu les BPM, 135, cherchez une playlist 135 BPM. Allez, c'est parti. Allez, on marche. Et on y va, tap up. On met bien tout le pied. On amortit, on ne doit rien entendre. Hein. Allez, encore. Allez, on alterne, genoux. Un seul. On regarde bien loin devant, on engage la sangle abdominale. On peut rajouter le bras. Talon. Amortis bien. Pose bien tout le pied. Superman. Allez, encore. Et on repart genoux. Respirez, engagez la sangle abdominale, regardez loin devant et Superman. On repart genoux. Et on reprend. Un. Talon. Kick. Et Superman. Ça doit vous rappeler des choses encore. Ça, c'était notre premier bloc. Un genou alterné. Un kick et un Superman. Et on peut rajouter une petite impulsion. Kick et Superman. Allez, tap up. On respire. Donc là, tout en s'échauffant, on a revu le premier bloc. Est-ce que vous vous souvenez du deuxième bloc ? Peut-être pas. On va le revoir en plus rapide. Attention, on y va. Trois genoux. Un, deux, trois et devant.
deux fois. Encore. 1, 2, 3. Et devant. 1, 2. Encore. 2, 3. 1, 2, 3. Je change un peu. Genou, talon et Superman. Devant. Ça, c'était notre bloc final. Hein. Genou, talon, Superman. Genou, talon, Superman. Et devant. Encore. Genou, talon, Superman. Je ne sais pas pourquoi j'ai levé les deux bras. Hein. Allez. Genou, talon, Superman. Encore. Et je rajoute devant, en haut. Devant, en haut, encore, genou, encore, petite impulsion, et on court, encore. Allez, une dernière fois. Ici. Devant. Et en haut. Et d'un peu. Deuxième bloc, rebut. On va faire le 1 et le 2 ensemble. On revoit le 3. Après, premier, genou alterné, talon alterné, kick, Superman, et celui-ci. On refait juste le 1. Allez, on y va, genou, avec impulsion ou pas. Hein. Kick, Superman, tap up. On va faire les deux ensemble. Allez, on marche. V-step, on commence par le pied droit. Hein. 5, 6, 7, 8, V-step. Et on dégage. Encore. Et on échange par des jumping. 1, 2. N'oubliez pas de mettre mon point de pied à 10h10. Et on monte pas les bras plus haut que les épaules. Une dernière fois. Et tap. Ça, c'était la première partie. D'accord? La deuxième partie, un kick devant et un kick devant. Ok? Et bien, on y va. Le kick. Kick. Devant.
Dernière fois. Et tap up. D'accord? On va essayer de faire les deux. Lever step, les jumping ou les dégager. On n'est pas obligé de faire les jumping. Enchaîner avec les kicks. Allez, on y va. Lever step. Jumping. Encore. Les kicks. Et tu cours. L'autre côté. Et tap up. Très bien. On enchaîne. 1, 2 et 3. Eh ouais. Ça va aller. Allez, on y va, genoux. Talon. Kick. Superman. Genou, talon, Superman. Devant. En haut. De l'autre côté. Devant. Et en haut, tout de suite, des steps. Jumping. Encore. On amortit, hein. Le kick. Monte. L'autre côté. Et monte. Très bien, tap up. Super. On a fait le 1, le 2 et le 3. Très bien. Arrêtez-vous, bougez-vous. Buvez un petit coup, pardon. Tap up. Allez, on fait trois genoux et deux V-step. On va aller sauter ces trois genoux. 1, 2, 3 et le B-step. Si on prend, on le court ou pas, toujours. 1, 2, 3. On continue encore. La prochaine option que je vais vous donner, c'est pour ceux qui ont un step ou qui ont les marques au sol. Sur une marche, vous ne pourrez pas. Regardez, 1, 2, 3, on tourne, encore, 1, 2, 3, n'oubliez pas de reposer, je vous le fais au ralenti, 1, 2, 3, je pose, pied gauche, pied droit, avant de remonter, pied gauche, pied droit, de l'autre côté, 1, 2, 3, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, ok? Allez, on remarche sur la musique, on refait tap up et on essaie. On y va, tap up. Et on y va, trois genoux, tu tournes. 1, 2, 3, gauche-droite. Encore. De l'autre côté. 1, 2, 3, droite-gauche. Allez, encore une fois. 1, 2, 3, t'es pas obligé de les tourner, hein. Tu peux rester sur trois genoux, sauter. 1, 2, 3. Et tap up. Très bien. Donc ça, c'est le 4. Ouais, c'est ça. On enchaîne. Allez, on les enchaîne plusieurs fois de suite. Et on y va, genoux. Genoux, talon, Superman. Devant. En haut. Encore.
vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de faire les impulsions. Three step, jumping. Encore. Kick. Devant. L'autre côté. Les trois genoux. Three step. Step, pardon. 3. Et tap up. Buvez un petit coup. Alors, j'ai changé le BPM. Surtout, faites-le. J'ai changé avec une playlist à 140 BPM. D'accord ? Sinon, vous allez dire, elle fait nimpe sur la musique. Hein. Allez, on y va. Tap up. On prend déjà le rythme. On pose bien son pied. C'est plus rapide. Hein. On va l'enchaîner plusieurs fois de suite. Et ensuite, on s'étire. Je baisse un peu. Je ne sais pas où vous en êtes. Superman.
devant. En haut. Restez. Jumping. Pied les pieds à 10h10. Encore. Kick. Devant. Bravo! Ouh. Allez, on récupère. Buvez un petit coup et on va s'étirer. Allez, on monte sur le step. On regarde loin devant, on garde les épaules basses, on vient mettre son pied droit, voilà, talon dans le sol. Genou gauche, légèrement déverrouillé. Allez, on respire tout doucement. Plus vous descendez votre talon, plus ça étire. Hein. On remonte tout doucement et on change. Pied gauche. Et le genou droit légèrement déverrouillé. On regarde loin devant, on garde les épaules basses. Un point loin devant.
On descend du step. On va venir mettre talon droit et on vient plier son genou gauche. Et on ramène la pointe de pied vers soi. Gardez la nuque dans le prolongement. Attention, hein, ne baissez pas la tête en dessous le cœur. Hein. Gardez bien la tête relevée. Pas en arrière non plus, hein. On garde dans le prolongement. Hein. Respirez calmement. Je sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Hein. Alors, on remonte tout doucement et on change. Jambe gauche et on vient s'appuyer sur sa jambe droite. Toujours la nuque dans le prolongement. On remonte tout doucement. Allez, on vient emmener son genou droit à la poitrine. On garde épaules basses, on regarde en avant, on engage la sangle abdominale et on fait des petits cercles dans un sens et dans un autre. On bascule, cheville, talon vers la fesse, rétroversion du bassin. On regarde toujours loin devant et on engage la sangle abdominale. Serre les fessiers. Et garde les épaules basses. On relâche tout doucement. Et on inverse. Genou gauche. Ah, tu ramènes à la poitrine, tu gardes les épaules basses. Tu engages ta sangle abdominale et tu fais des petits cercles dans un sens et dans un autre. Avec ta cheville. Allez, on bascule. Rétroversion du bassin. On engage les fessiers, on engage la sangle abdominale, on garde les épaules basses et on regarde loin devant. Ta jambe d'appui est légèrement déverrouillée. Allez, on relâche tout doucement. Allez, on inspire. On étire et on relâche. Paume de main vers le sol. Une dernière fois, inspire.